Bonjour, bienvenue sur la page de la Grande Vie. Du coup, petite vidéo aujourd'hui, la deuxième. Petite vidéo mise au point. Je me suis préparé un petit pense-bête. Alors voilà. Mise au point. Du coup, pourquoi une mise au point? Alors, comme vous avez pu le remarquer, ces temps-ci, putain, les moustiques, j'ai pu faire beaucoup de vidéos animalières, d'observation. Déjà, c'est parce que je me suis lancé dans. Je me suis lancé dedans, du coup quand je me lance dans quelque chose, en général j'y vais pas trop à moitié. Et la deuxième raison pourquoi il n'y a plus trop de bivouac de cabane, de vidéo à la cabane, c'est parce que il fait encore trop chaud. Il y a vraiment vraiment trop de moustiques dans nos bois. Là je suis en train de me faire bouffer d'ailleurs. Ouais, c'est horrible. Mais ça va reprendre très très vite. Vivement l'hiver. Et voilà. Alors du coup, je voulais vous parler aussi de mes projets. Je change les mains. Là. Mes projets, c'est toujours les mêmes. Hop, on va aller par là un peu. Alors donc, mes projets, toujours les mêmes. Partir voyager à sac à dos. Avec ma remorque, mon chien. Mais du coup, je me suis aperçu de certaines choses. Ça fait peut-être un peu de bruit quand je marche là-dedans. Je me suis aperçu de certaines choses. C'est que je ne peux pas partir tant que j'ai. Bon, c'est pas un scoop. Hein. Tant que j'ai mon addiction au cannabis. Voilà, tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. Hein. Parce que déjà, j'en veux plus dans ma vie. Ça m'a bien aidé jusqu'ici, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aide plus trop. Et au contraire, ça m'handicape pour le voyage. Parce que faut le trouver, faut acheter. C'est tout un bordel. Alors du coup, vraiment, je veux arrêter avant de partir. Pouvoir être tranquille, plus avoir ce poids sur mes épaules. Et économiser pas mal d'argent, surtout. Aussi. Voilà. Alors nous allons passer. Au point suivant aussi mes projets. J'ai remarqué qu'avec ma chienne j'ai pas mal d'inquiétudes. D'inquiétudes par rapport à pour travailler. Comment je vais faire pour travailler? Qu'est-ce que je ferai du chien pour travailler? Ça c'est une grande question que j'arrive pas à résoudre. Et la deuxième, c'est une peur, c'est personnel. C'est pour faire les courses. Poser les affaires et le chien et faire les courses. Ça, voilà, qu'on vole mes affaires, je peux avoir 1 million d'euros d'affaires. Bon, voilà, mais alors le chien, voilà, je vous laisse imaginer. Du coup, c'est assez compliqué. C'est pas des gros gros problèmes, ça se résout. Ça, de toute façon, faut que je passe au-dessus et puis voilà, il y a rien d'autre à faire. Il y a des petites solutions comme quand j'irai faire les courses, essayer de confier la chienne et mes affaires ou quoi. À voir. Donc voilà. Je vous parlais aussi de l'argent. J'ai toujours dit que je voulais partir sans argent, tout ça. Nanana. Ce sera pas possible. I don't know possible. Déjà, encore une fois, pour ma chienne. Voilà. S'il lui arrive quelque chose, faut que je puisse aller au vétérinaire, payer. Tout de suite. Je veux pas mettre ma chienne en danger, vous voyez ce que je veux dire. Avoir des sous pour elle, son alimentation quotidienne, qu'elle ait tout le temps à manger. L'eau, c'est un gros problème, parce qu'il faut au moins plus de 2 litres par jour pour ma chienne, par ces températures-là, on va dire. Mais ça, ça va. Le plus gros problème, c'est pour faire les courses et avoir de l'argent pour elle. Et donc, le souci qui se posait, bah, c'était pour travailler, vu que ça devait être très très compliqué. Encore quand on est en camion ou quelque chose, on peut mettre le chien dans le camion puis aller travailler. Toujours une solution. Mais quand t'es à pied, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça dépend des travails, encore une fois, aussi. Mais dans un mode de vie comme ça, une fois que t'es lancé, tu vas pas non plus choisir... voilà quoi. Si
c'est le mec qui me dit viens m'aider à ramasser mes pommes dans mon verger et puis je peux pas ramener ma chienne, bah voilà, c'est mort. Du coup, dans l'idéal, j'aimerais toujours partir sans argent, mais c'est pas possible. Du coup, je suis en train de mettre de côté jusqu'à fin août. Et à fin août, je vais essayer de faire un petit départ obligé. De toute façon, je supporte de moins en moins de rester dans ce mode de vie, de rester comme ça, les réseaux sociaux, tout ça. Vraiment, je supporte de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué pour moi. C'est même pas un... Voilà, c'est... Il y a un moment où je sais que j'ai même pas le choix, en fait. J'ai même pas le choix et ça m'arrange très très bien. Voilà. L'idée de tout quitter, ça fait peur. Mais je vais pas avoir le choix. Tout simplement. Après, il y a le... Comme je dis... Et on peut pas, je pense pas qu'on puisse faire les choses à moitié. Du coup, comme vous le savez, je touche le chômage. Bientôt, ce sera fini, évidemment. Et je ne toucherai pas de prestations par mon cher pays. Voilà. Je veux pas du RSA, je veux rien du tout. Je veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Dans l'idéal, j'aimerais même arrêter mon compte. Ne plus rien avoir à faire avec tout ça. Parce que même si on reste un minimum, on se fait voilà, un minimum. Et vraiment, vraiment, ça ne m'intéresse plus. Voilà, le seul endroit où je suis bien, c'est ici. Regardez, je me terce 2 secondes et écoutez. Voilà, on n'entend rien. Le seul truc qu'on entend, c'est un avion. Ça fait un peu chier, mais c'est déjà... Mais le plus beau de la ville, vous ne trouvez pas. Moi je trouve. Donc voilà, je vais reprendre ma petite feuille, savoir où j'en suis, parce que je me suis un peu perdu. On va regarder le temps où c'est que j'en suis aussi. 7 minutes 20 de vidéo. C'est pas grave. Je voulais vous parler du matériel. Le matériel, pour garder mes images, vu que je vais continuer dans l'animalier, même une fois parti, je me suis acheté un petit ordinateur portable. Petit ordinateur portable, un nouveau panneau solaire, parce que celui que j'avais, il est défectueux maintenant. Et comme ça, je pourrais recharger le téléphone portable, l'ordinateur portable et mes lumières. Tranquillement. Donc voilà, au niveau du matériel, il faut que je revoie tout à la baisse. Dans l'idéal, il faudrait que je sois à 17 kg maximum avec l'eau et la nourriture pour la remorque. Ça va être compliqué, il faut que je vois ça. Au niveau des habits, j'ai pas du tout d'habits modernes pour la randonnée, pour tout ça. Du coup, j'ai des super habits, hein. J'ai une veste pour l'hiver de chasse. Mais sauf que la veste, elle fait près de 3 kg. En sachant que maintenant, ils en font des moins d'un kilo et qui tient aussi chaud. Faut que je vois, mais le problème, c'est toujours le même, c'est le prix. Voilà. Et ça me fait chier d'acheter ce genre de matériel. Mais d'un côté, si je veux partir léger, enfin le plus léger possible, voilà. Parce que sinon, si je fais mes affaires, je suis à 25 kg. 25 kg pour une mini randonnée, ça va très bien. Et encore, c'est très galère. Mais alors, pour voyager... impossible. Donc voilà, je voulais vous parler, bah c'est tout, en gros, ce sera déjà bien, la vidéo est assez longue, et voilà, donc à très vite, ciao.